Si nous regardons dans la main gauche brisket, nous avons un tatou qui écrit en arabe. Mais qui ça le fait dire? Prêtez avec nous une vidéo si vous avez un tatou qui écrit en arabe dans la main brisket, qui ça le fait dire? Et si vous avez un tout le bagage de cette jeu brisket. Et yo, yon gros salutation pour chaque monde qui a regardé la vidéo. J'ai un carré dans ce site là, je dis à m'apporter une petite vidéo pour nous, pour nous raconter l'histoire de Sergio Busquets. Yon joueur qui a un peu le monde remé, surtout fanatique FC Barcelone. Like vidéo à si l'intéressé ou partagez et si vous nouveau, pas oublier abonner pour pas rater prochaine vidéo nous. Parce que nous faisons vidéo de basketteurs, footballeurs, nous connaissons un peu de réseau en pile. Ça c'est l'histoire Sergio Busquets. On commence. Sergio Busquets Burgos, que nous tous connaissons sous le nom de Sergio Busquets, est fait le 16 juillet 1988 d'un côté qui est Sabadell à Catalogne, dans le pays Espagne. Il a 32 ans. Il mesure 1m89. Il est un footballeur qui a joué dans le poste milieu de terrain défensif. Maman Busquets relé Loli Burgos et papa relé Carles Busquets. Madame Busquets relé Elena Galena Moron qu'elle a rencontré depuis en 2013. Il y a deux timons ensemble, le premier en relé Enzo et le deuxième en relé Lizzy. Busquets a gagné deux chiens, il y a un relé Mini et l'autre en relé Lily. Busquets fait dans une famille footballistique, puisque papa est un ancien gardien FC Barcelone dans les années 1900. Mais c'était gardien remplaçant. Papa Busquets était contre un banc en pile dans l'équipe FC Barcelone. Papa Busquets était toujours envie de Busquets devenir un footballeur, il était voulu le suivre trace. À l'âge de 7 ans, en 1995, Busquets commence sa carrière footballistique avec un club local qui est le Badia, qu'il a fait une seule année dans ce club. Il quitte en 1996 pour la jouer dans CEF Barbera Andalusia. Il passait 3 ans dans ce club, il a quitté en 1999 parce que papa a quitté Barcelone pour aller jouer dans Lleida et papa a tout allé à Vel. Et Busquets a joué pour cette équipe Lleida. Il passait 3 ans dans ce club, Busquets est le meilleur joueur de ce club qui a aidé à remporter un trophée majeur. Après, papa a fini pour une retraite en 2002 dans l'équipe Lleida. Busquets a tout quitté le club parce qu'il a envie de jouer dans un club qui a plus de niveau. En 2003, il est transféré dans Jabak Terraza, il passait 2 ans dans le club. En 2005, il rejoint le club Bleu Col Football Barça qui est la Masia et le reste appartient à l'histoire. Il était voté numéro 16, après il est venu voter numéro 5, après Puyol était fin de mettre fin à carrière. C'est Puyol qui t'a demandé pour te voter numéro 5. Comme je t'ai dit dans le commencement de la vidéo, si nous regardons dans la main gauche Busquets, nous avons le grand tatou qui écrit en arabe. Mais qui ça veut dire? Une vie pour toi, la vie dans mon pays. C'est un tatouage Busquets fait pour le rendre hommage à grand-papa, puisque lui-même à grand-papa t'a jamais en pile avant de mourir. Parcours Sergio Busquets. Il joue 25 matchs pour FC Barcelone B1, il marque 2 goals. Il joue 620 matchs pour Grand Barcelona, il marque 15 goals. Pour sélection, Espagne, il joue 3 matchs pour Espagne Espoir, il marque 1 goal. Il joue 122 matchs pour Grand Espagne, il marque 2 goals. Palmarès en Busquets. Il remporte 8 Ligas. C'était en 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 et 2019. Il remporté 7 Coupes du Roi. C'était en 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021. Il remporté 6 Super Coupes d'Espagne. 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 et 2018. Il a remporté 3 Ligues des Champions. C'était en 2009, 2011 et 2015. 3 Super Coupes de l'UEFA. 2009, 2011, 2015. Et puis il a remporté 3 Coupes du Monde des clubs. 2009, 2011 et 2015. Avec l'équipe Espagne, il a remporté 2 Coupes du Monde. C'était en 2010. Et puis, une Coupe d'Europe, c'était en 2012. Distinction personnelle à Sergio Busquets, il a remporté un trophée Bravo en 2009. Et puis, même 2009, ça, il a remporté Révélation de la saison 2008-2009.
Nous arrivons à la fin de la vidéo, merci parce que vous avez été à la fin de la vidéo. Pas oublier dans l'espace commentaire, ou quand vous avez joué, bien dès que basket, vous pouvez me parler pour nous, ma fête. Une façon de vous encourager à travailler à la fin, c'est like, partager la vidéo et puis abonner. Là, on fait ça, vous motivez nous plus pour nous apporter l'histoire footballeur pour série nous et puis basket. Nous vous croisez pour une autre vidéo. Bye bye. Cool.